Bienvenue dans notre second cours, les connaissances de base autour du recyclage du plastique. À la fin de cette vidéo, vous devriez être capable de répondre aux trois grandes questions suivantes. Que devient le plastique qui doit être recyclé? Comment décontaminer le plastique lors du recyclage? Et enfin, pourquoi un plastique recyclé peut-il perdre de la valeur? Par recyclage du plastique, on entend la production d'un nouveau bien à partir de déchets. Il s'agit de donner une nouvelle forme à la matière en conservant ou en modifiant sa structure interne. On distingue trois types de recyclage, mécanique, thermique et chimique. Le recyclage mécanique remodèle le plastique à l'aide de machines sans en changer sa structure interne. Le recyclage thermique transforme à haute température la structure interne du plastique en des composés comme de l'essence ou du gaz. Attention, ce n'est pas de la valorisation énergétique où le plastique est brûlé pour produire de la chaleur. Enfin, le recyclage chimique se divise en deux. Transformer la matière en d'autres éléments par des réactions chimiques ou recycler les plastiques avec des solvants chimiques sans changer la matière, comme dans le cas du polystyrène. Concentrons-nous sur le recyclage le plus courant, le recyclage mécanique. Tout d'abord, un premier acteur collecte et trie les déchets à recycler en fonction de leur type de plastique. Les bouteilles d'eau, façonnées à partir de polytéréphtalate d'éthylène, le PET, sont ainsi séparées des bouteilles de shampoing constituées de polyéthylène haute densité, le PEHD. En plus d'être sélectionnées selon le type de plastique, les déchets sont classés par couleur. Les détritus sont compactés en balles une fois correctement triés. C'est la même chose qu'écraser les carcasses de voitures en cubes de métal dans une décharge. C'est ce qu'on appelle la massification, et c'est ce qui permet de baisser les coûts de transport vers le second acteur, le recycleur, aussi appelé régénérateur. Le plastique arrive souillé par des restes de soda, de graisse ou des poussières. La première étape pour le recycleur, nettoyer la balle de plastique rachetée au collecteur. Pour une plus grande efficacité de lavage, le plastique est broyé. Le broyat ainsi obtenu est lavé à l'eau, parfois avec une lessive telle que la soude caustique pour éliminer les graisses. Puis, il sera séché. Le broyat sec peut être revendu tel quel à un troisième acteur, le transformateur. Le transformateur l'insère dans ses machines en mélange à du plastique vierge pour produire de nouveaux objets. Lorsqu'il n'est pas revendu tel quel, le broyat sec est fondu et à nouveau purifié par le recycleur grâce à une machine, l'extrudeuse. C'est ce qu'on appelle la régénération en granulés, homogène et pur. Ces granulés sont alors vendus au transformateur à la place du broyat. Les granulés sont préférés au broyat pour leur pureté et leur homogénéité. Voyons pourquoi. Lorsque le plastique est chauffé pour être fondu, les chaînes de polymères qui le composent sont coupées. Souvenez-vous du cours numéro 1. Comme pour les cheveux, des chaînes plus courtes sont moins bien enchevêtrées. Le plastique est donc moins solide. C'est ce qu'on appelle la dégradation thermique. Et c'est tout le problème du recyclage mécanique. Deux détails amplifient cette dégradation thermique. Les bouts de plastique ne sont pas homogènes et des impuretés peuvent réagir chimiquement sous l'effet de la chaleur. Avec le broyat, les bouts les plus fins fondent plus vite que ceux plus épais et subissent plus de dégradation thermique. Ensuite, le lavage du broyat ne permet pas d'enlever la colle des étiquettes sur les bouteilles par exemple. Cette colle s'évapore et forme du gaz qui, s'il n'est pas filtré, attaque le plastique. Pour obtenir un produit de bonne qualité, il faut impérativement limiter cette dégradation thermique. Il est donc plus aisé de transformer des granulés déjà purifiés car on ignore souvent l'origine du broyat récupéré. Même optimisé, la régénération puis la transformation engendrent une dégradation thermique à chaque fois que le plastique est fondu. Du coup, avec sa mise en forme initiale puis son premier recyclage, un plastique peut passer par l'état fondu entre 3 et 6 fois. Au fur et à mesure des cycles, le plastique est plus cassant et plus difficile à mettre en forme. Pour terminer, revenons au transformateur. Que ce soit avec du broyat, du granulé, en mélange à du plastique vierge ou non, pour remodeler nos anciens déchets, il existe une grande variété de techniques. Notamment l'extrusion filage pour concevoir des bobines de filaments, le rotomoulage pour créer des pièces creuses comme les canoës ou encore l'injection pour former des coques de téléphone. Ces méthodes-là sont les mêmes que celles utilisées pour le plastique vierge, le recyclage étant avant tout des étapes combinées de collecte, de tri et de purification. Nous verrons les limites de ce type de recyclage dans le prochain cours. Voilà, vous devriez être capable de répondre vous-même aux trois questions que nous avons posées au début de ce cours sur les bases du recyclage.